ouvrons une page santé à présent pour freiner la propagation des virus, des fièvres hémorragiques qui surviennent dans les communautés ivoiriennes. Les services vétérinaires de Côte d'Ivoire ont sollicité un atelier réunissant les acteurs de la santé et toutes les parties prenantes. L'objectif est de valider les outils de sensibilisation en langue baoulé, dioula et sénoufo, de puissants outils qui, selon les acteurs, permettront de toucher une plus large cible dans la prévention des maladies. Zainab Dosso pour le récit. Yambega pimona kinyama jo ebola ou me ebola ou pincession lenal wagaya lotanga wanei. C'est une sensibilisation en langue locale pour freiner les fièvres hémorragiques, danger pour la santé des communautés ivoiriennes. Les langues baoulé, sénoufo et malinké sont les outils choisis pour mener à bien la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques contre les fièvres hémorragiques de Lhasa et de Crimée-Congo liés au virus Ebola et découverts il y a quelques années dans certaines régions du pays. Ces messages de sensibilisation sont déclinés en plusieurs supports. Mais avant leur diffusion aux communautés, l'heure est à la validation par les services vétérinaires, les speakers en langue et toute l'équipe technique. Cet atelier, présidé par le ministère en charge des ressources animales, en est la preuve. Et pour pouvoir les atteindre, il faut pouvoir parler leur langage. Et c'est dans ce sens que nous sommes appuyés par l'Organisation mondiale de la santé animale à travers le projet Ebo Sursis qui nous aide à traduire nos outils de communication en langue. Et nous avons choisi pour l'instant trois langues locales que sont le baoulé, le dioula et le sénoufo pour l'instant. Et nous pensons que beaucoup de gens parlent le baoulé, le dioula et puis le sénoufo. Mais à l'avenir, nous allons continuer à traduire en bété, en wobé, en guéré. Voilà, donc ces outils seront traduits dans ces trois langues pour permettre à la communauté de vraiment être sensibilisée au plus fin fond de la Côte d'Ivoire. Et il faut noter que l'atelier de validation des outils de sensibilisation en langue locale qui se tient sur 2 jours s'inscrit dans le cadre d'un projet de renforcement de capacité et de surveillance des maladies liées au virus Ebola, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec le CIRAD, l'Institut Pasteur et l'IRAD.